Salut à tous, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouvel épisode de New Pokémon Snap, toujours en direct sur Twitch. Salut Yobi-Wan, salut Jonabran, salut tous ceux qui ont un pseudo qui se termine par Anne, et salut à tous les autres. On continue l'exploration de Lantis pour découvrir les derniers Pokémon qu'il nous manque. Ça avance, ça avance, ça avance. Je vous rappelle qu'il y a 214 espèces différentes. Et là, on est un petit peu en train de faire la quête des légendaires, si je peux dire. On a 211, donc il en reste 3. Et il nous reste seulement deux lieux sur lesquels il nous manque des Pokémon, à savoir Kaleis et Adamantia. Donc il y a probablement, non, c'est mathématique, il y a forcément une île où il me manque un et une île où il m'en manque deux. Le problème c'est que tu sais pas si c'est un dans la plaine Frisquette, un dans la grotte lointaine, enfin ils te disent pas exactement. Bref. Qui sont les deux Pokémon qu'il me manque? Les trois Pokémon qu'il me manque, pardon. Je ne sais pas trop. On avait repris l'exploration de la jungle Grand Arbre. Et de la même manière, je sais qu'il me manque une zone dans la forêt sibylline, ça se voit. Donc il faut que je réexplore la forêt sibylline. Mais je vais poursuivre d'abord sur mon exploration de la jungle Grand Arbre. Et je vais la retenter de nuit. Et un bon moyen c'est d'appuyer sur tous les boutons en même temps. Tu vois un Pokémon, t'appuies sur tout pour essayer de faire des interactions. Oh Philali. Alors Philali il aime les pommes tendres, on l'a vu. Est-ce que la musique ça lui fait quelque chose? Il s'est barré, super. C'est quoi ce cri? Un espo de lumière maintenant. C'est Spododo qui crie comme ça? C'est Mew! Ah, c'est une référence au premier Pokémon Snap! Il faut le rebattre comme dans le premier Pokémon Snap? Il est où? Ah bah ça commence bien. C'est quoi qui l'a tiré? C'est la musique? C'est les orbes? C'est pas les pommes? Ça c'est son cri, non? Dans la jungle, c'est Mew, forcément. Là! Arrête de bouger! Ah, il est encore plus chiant que dans le premier Pokémon Snap. Hey, attends! Ah! Va à gauche. Mais c'est mon off-limite! Réveille-toi, Balour. Fuck. Lagron. Orbe. Pomme. Radar. Orbe. Pomme. Radar. Il va pas bien, ils me disent. Comment le... Et de l'autre côté, il y a aussi un truc, là. Là, je comprends pas. Là, c'est ouvert, j'ai l'impression, par rapport à d'habitude. J'ai entendu le cri. Là! Orbe! Ah! Bon, le lagron, je pige pas non plus. Là, y'a quoi? C'est un Léopardus. Ok. Non! Ça, c'est dommage qu'on puisse pas aller en bas, en fait. Hop. Un peu de lumière. Oh!
Ah, j'ai encore entendu. Quoi? Où? Ah oui, le chemin. Ah, mais j'ai pas réveillé le léopardus là. Est-ce qu'il réapparaît encore ou pas? Filali, il y en avait un dans le coin normalement là. Je regarde tellement dans tous les sens pour trouver. Là, mangez une pomme. Mangez une pomme. T'aimes bien les pommes, on m'a dit dans l'émission. Mange. Non. Mange une pomme. Donc Mew, ça nous en fait plus 1. Si jamais on débloque pas toutes les... Mais t'étais là sur la vidéo. Enfin, sur la photo de la mission, plutôt. Bon. Si avec ça, on débloque pas tous les Pokémon de Kalaïs, ça veut dire qu'il nous en manque un quelque part. Soit dans la jungle, soit dans la forêt sibylline. Alors Mew, j'ai le 1 et le 2. Je vais commencer par le 2. Celle-là elle est pas mal. Celle-là elle est pas mal. Coxyclac. Je vais regarder sur les autres quand même. Parce que j'ai un peu mitraillé. Oh non, c'est la meilleure. Ah! Attends, non. La 9. Ouais, non, quand même, il y en a... Oh, non, très bien, celle-ci. Spododo. Ouais, non, c'était les Mew que je visais, là. T'as réussi à voir Mona Flemmite? Bah, écoute. Mais je sais pas ce qu'il a. Je sais pas ce qu'il me veut. Allez. Allez. Comme tu dis, Jonah Brand, ça en fait un de moins. Mew. J'espère qu'il y aura d'autres légendaires et fabuleux dans les... Bon, il y en aura forcément un par niveau. Sur les nouveaux niveaux. Il n'y a que 20 nouveaux Pokémon, hein, je rappelle, sur 3 nouvelles zones dans le DLC. Ça... C'est quand même... C'est moins, mais bon. Il y aura d'anciens Pokémon qui vont revenir, bien évidemment. Mais... Oh, taille parfaite. Super. Tu préfères celle-ci, on ne voit rien? Bah écoute, si tu préfères celle-ci, on ne voit rien, prends celle-ci, on ne voit rien. Alors, niveau d'exploration... Pouf, là, là, là. C'est impossible, c'est impossible. Nouvelle mission, il me dit. Il manque un Pokémon dans le coin. Ça peut être la jungle. Ça peut être la forêt plutôt. Je suis perplexe. Donc, on sait qu'il m'en manque qu'un seul sur Adamantia. Il me manque plus qu'un seul sur Kalaïs. S'il me manque une zone, il y a des Pokémon dans quasiment chaque zone sur la forêt sibylline. En bas à droite, il y en a forcément une. Elle est forcément liée au chemin que j'arrive pas à emprunter depuis le début. Il y a ça, et après ce sera sur Adamantia.
Et Adamantia, ça, c'est peut-être lié au Dragmara qui est emprisonné. Alors, j'aimerais bien faire l'hiver pour cette histoire de flammes dans la neige là. T'es content? Ouais, bousille pas non plus toutes tes photos. Mais c'est pour réussir la mission. Je vais pas peut-être les prendre en photo avec la pierre à côté. Bon bah c'est l'été. Il l'entraîne ou... Genre vas-y, tu peux le faire. Et le rayeul. Là, il y en avait un qui se baignait normalement. Mais il se baigne plus. Il y a une fleur de cristal en bas. J'ai plus que 18 photos. Le mec, il carbure là. Bon, ça, j'ai déjà pris 100 fois. Ah, calme-toi sur les photos. J'ai essayé d'en allumer certaines, de pas en allumer d'autres. Oh, il est trop beau le rose. Ça me manque les saisons. Ils auraient dû faire plus de Pokémon qui réagissent aux saisons. Parce que lui, il avance à chaque fois. Après, t'as celle-ci. T'as l'autre au fond. Ah, il y va. Et on a encore une dernière ici où il y a Mentali. Qu'est-ce qu'il y a? Qui parle là? On dirait Vivaldin. Et là, t'as Aïdin qui va arriver. Ah, mais t'as pas un Aïdin qui cherchait Vivaldin justement? Parce qu'il y avait un Aïdin qui cherchait Vivaldin. Mince, Mentali qui bouge. Il doit y avoir du 4. Oui, je sais, j'ai plus de photos. Oui, ils vont dans le ch. Oh purée. Oh, c'était ça! Elles sont déjà allumées, on dirait en fait. C'est pour ça que je pouvais pas les allumer. Ah oh, purée. C'était comme ça qu'on pouvait réunir le Haïdin et le Vivaldin. Je me souviens de cette mission.
Inupio. Voilà, attends, attends, une seconde. Non, ah. Je vais retirer la rafale parce que là, c'est sûr que je vais être à court à un moment. Oh! Bulle bizarre sur Drayeul. C'est rempli de Nénupio, d'accord. Puis beaucoup de... Il devait y avoir un nouveau Pokémon là-dedans. Étrange Clairia fait le lien entre chaque saison de la forêt. Une fleur de cristal au milieu. Ah, c'est trop beau! Ça vous inspire rien? Tu joues de la musique en plus. Il manque celui d'hiver. Alors pourquoi il manque celui en hiver? C'est bizarre. Il n'y a pas de nouveau Pokémon. Il manque le Aïdin d'hiver. Poum poum poum. Alors, j'ai trouvé des nouveaux trucs quand même. La méga joie. Celle-là est pas mal. Psystigri. En train de faire léviter une pierre. J'ai le 1, j'ai le 3. Pandespiègle. Oh, elle va être bien celle-ci. Ah, j'ai carburé sur les ponts d'espiègle. Celle-là, elle est trop mignonne. Aïdin. Ouais, j'ai pas... Vivaldin. C'est pas trop lui que je visais, mais c'est pas grave. Bulbi, c'est dommage que j'ai loupé le Bulbi sur le Drayeul. J'ai eu la 4 de Drayeul. Ah bah c'est Drayeul avec son Bulbi sur le dos. Et Nénupio, j'ai eu la 3, c'est quand il est heureux. Ok. Faut que je puisse aller en hiver. Emmène-moi en hiver. Normalement ils disent qu'il y a la mission, faire léviter tout ça. Pourquoi ça me met pas mission accomplie? Un dommage à 30 points près. Dommage. Là par contre, ouais. Voilà, impeccable. Là, il y a une mission accomplie. Bah, c'était sûrement de les faire se réunir tous les deux. Ok, et là, dommage. Ah. Bon,
Il me faudrait un Haïdin d'hiver, mais alors pourquoi il n'y avait pas le Haïdin d'hiver dans la forêt? Ça, c'est une vraie question. Petit cadeau, la clairière du mystère. Ouais, bah oui, il y a un mystère. T'es trop mignon pour des espiègles. Voilà. On va la recommencer. Parce que j'ai fait été deux fois de suite là. Montali, je sais pas comment lui faire faire des trucs. Mais il aime pas les pommes. Sale bête. Montali, il manque le 3 et le 4. Ah. Hiver, s'il te plaît. Printemps. C'est très beau. Mais ça m'aide pas. Il y a quelques léons. Je regarde quelquefois qu'il y aura un Pokémon que j'aurais jamais vu dans le coin. Hein, que... Regardez comme il se drague. Petit cabri qui saute là. Alors attends, je vais reprendre quand même mes... Ouais. Mes petites rafales. Ah là 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 là. Alors. S'il faut remettre le Vivaldin avec... Peut-être qu'il faut faire la quête pour chaque Vivaldin en fait. Je sais pas. Et du coup, ouais, peut-être qu'il passe par derrière. Donc pas allumer celle-ci, mais allumer celle du fond. Ce que j'ai fait tout à l'heure. Bah non, c'est pas ça. Si, le v'là. Et la dernière? Avec Montali. Je pense que le saut, il doit rapporter des points. Oh, trop mignon.
Il me sourit. C'est Sigri qui est trop content aussi. Bon, tout de suite, le dryol. Le Bulbi. Pousse-toi, Tangaïs. Il était où? Je me souviens plus où je l'ai vu. Bah. Il passait par ici, non? Bah, je l'avais vu passer là. Ah mince. Les Pokémon ont changé. Oh. Attendez, c'est trop mignon ça. Il manque toujours l'hiver. Hein. Bizarre cette affaire. Où est-ce qu'il va lui? Mais Fenard, il me semble l'avoir eu dans la source Lumina. Avec Milobellus. Hey. Tout, tout, tout. Mental. Ah. Je me disais bien quand même. Le 4. Bon, à mon avis, elle est moins bien, mais bon. Aïdin. On verra. On verra. J'ai du 1, du 2, du 3. Dans tous les cas, j'ai quand même plein de points. Donc, je suis pas sûr que je puisse faire mieux. Psystigri, j'ai du 2, du 3. Le 2 potentiellement. Ah non, il est trop petit. Ça, c'est trop adorable quand même. Nénupio, j'ai rien de neuf avec Nénupio. Voyons voir. J'en ai bien une avec un gros plan là, non? Non. Bon. Au moins, on le voit de face. Tangalis, c'est que du 1. Et c'est que de dos. Ok. Voilà, ça, ça fait des points. C'est mieux, un tout petit peu mieux. Alors ensuite, là, ah, ah si c'est quand même mieux. C'est bien, ça varie. On a 3 formes sur 4 là. Il manque que le rose.
Moi, ça va être moins bien. Ah, même score, tiens. Pile poil. Ok. J'aimerais bien aller en hiver. J'ai montré 50 Pokémon en train de dormir au professeur. Je vais le refaire et je vais essayer d'aller en hiver. Et si je sais pas en hiver, je vais le relancer. Et puis voilà. Allez, je la prends. Je la prends. Je la prends. Les petits stickers qui dorment. L'hiver, je sais pas si je l'ai beaucoup vu. Alors il y a Gardevoir. Je vais foncer et puis voilà. Allez. Allez. Printemps. Allez. Allez. Allez, poussez-vous. Ah, alors, problème, j'ai oublié où ça parlait de flamme, tout ça. J'avais pas Fenard ? J'étais sûr de l'avoir déjà vu. Ou alors je m'étais peut-être fait spoiler sur une... Comment dire ? Sur une photo de... Une photo en ligne. Mais je sais qu'il... Je suis sûr de l'avoir vu sur la source Lumina. Ça me perturbe, je vais aller faire la source Lumina après. Il y a un truc là-dedans. Mince. Ah! Dans la grotte. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Pourquoi c'est pas Fenard d'Alola d'ailleurs? C'est chelou. En plein hiver comme ça. Descends. Bouffe une pomme! Il s'en carre. Je suis passé en hiver du coup. Est-ce que je vais réussir à avoir un Aïdin d'hiver? En tout cas, ils sont sur la forme printemps, là. Ouais. Bonjour. Bah, merci. Tu vois qu'il le cherche. Et en fait, celui-ci l'attire trop près du bord. Ouais, j'ai quand même un petit doute sur Fenard du coup.
Mais il me semblait bien que je l'avais pourtant. La bobole. Voilà. Alors, ça a changé. Cette zone change aussi du coup. Oh non, attends. Ok, donc ça change en fonction peut-être de la saison dans laquelle j'étais auparavant. Non! Non, je... Oh non! Du coup, alors j'ai le 1, mais j'ai le 3 surtout. Ouais, le 3 est plus intéressant. Ah là, celle-là, elle est bien. Fenard 1 et 2. Sont belles. Hein. Je vais prendre celle-ci. Comparé, ouais, il n'y a pas grande de différence, hein, tu sais. Et Mentali, alors j'ai plus le 3. Elle est tellement belle ma photo de base que... Il est bien centré tout ça. Alors on l'avait déjà vu Gardevoir, John Abraham. Gardevoir on l'avait déjà vu... Bah en hiver justement. Quand j'étais déjà passé une première fois en hiver. Parfaite. Fenard, non mais j'étais sûr. Je vais faire la source Lumina. J'étais sûr d'avoir vu là-bas. Mais alors... Ou alors j'avais dû me faire spoiler par les photos en ligne. Mais je vois Milobellus et Fenard en train de papoter à un moment. J'ai l'impression. Mentali, il me semble que j'avais eu le 3 étoiles à un moment. Du coup, ça veut dire que j'ai tous les Pokémon de Kalaïs. Ah. Spock. Tu as photographié tous les Pokémon de Kalaïs. Félicitations. La jungle épaisse et la forêt enveloppée de brouillard ne t'ont pas arrêté à ce que je vois. Alors, il y a des belles photos à mettre de côté. Gardevoir. Mon Mentali, j'ai déjà pris tout ça. Et Fenard. Je rentre à la base. Loulou.
La source Lumina. Alors... Mon beau Milo bébé. Allez, sors la tête là qu'on puisse. Ah non, fallait que je te jette une pomme avant. C'est ça, faut que je te. Voilà. Ouh! Et là, tu vas sortir la tête. Du coup. Et là, je peux t'illuminer. J'ai loupé ça. Un joli saut de Milobellus. Il est trop beau ce niveau. Mais ce jeu est génial. Hop. Ah. Bon, en tout cas, si je l'ai pas fait, du coup, comment on fait apparaître Fenard? Je l'ai allumé, c'est bon. T'es où? T'es où là? Ouh. Ah! Bah oui, c'est bien ce qui me semblait. J'avais dû louper le Fenard, genre j'ai dû prendre en photo que le Milobellus. Là, y a le Majaspic. Oui, quoi? Où? Ah oui, tu veux juste m'indiquer où est le... Oui. Viens ici, tortipouille. Entre serpents, ils sont contents. Et alors attends, parce que t'as Mentali là. Ouais, bah c'est pas grave, j'en ai pris pas mal. Allez. Alors, Milobellus, j'ai pris du 1 que j'avais pas encore. Bon.
Là, il est loin, là, il est dos. Je sais pas laquelle vaut mieux, du coup. Dans l'eau, c'est un petit peu fastoche. Peut-être quand même celle, une des comme ça. Magikarp. Pouaf. Trop petit. Fenard. Allez. Majaspic. Avec l'éclaboussure. Je doute que ça me rapporte davantage. Je suis pas sûr que ça... Ouais, non. Ah, j'ai fait un meilleur score. Hop, qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? Celle-là, j'aime bien. J'aime bien, ça lui discute ensemble. Regardez, c'est trop mignon. Quand il se fait arroser. Hop. Alors, ce qu'on va tenter maintenant, c'est qu'il nous reste plus que un Pokémon. Et il est sur Adamantia. Ça parlait de Pokémon spécial. Au niveau de la plaine frisquette. Et j'ai ce... Alors, quand la nuit s'éclaire. Donc je pense qu'il y a un rapport avec le Dragmara. Il y a un Pokémon spécial qui apparaît quand la nuit scintille, tout ça, un truc comme ça. Et forcément, ça fait penser aux aurores boréales. Donc, forcément, ça fait penser à Dragmara. Avec ses petits voiles, tout ça. Donc, on va aller voir là-bas. Allez, on va y aller en mode. Donc il faut pouvoir libérer le Dragmara. Va-t'en toi. Libérer le Dragmara. Et ça c'était suggéré par le fait qu'il y ait donc un Lipoutou avec la fleur de cristal. Il y a un autre Lipoutou à côté qui est en train de dormir. Donc il faut réveiller le Lipoutou et essayer de l'amener vers l'autre côté. Donc pour déplacer un Pokémon en général c'est utiliser les pommes. Faut que je réussisse à le réveiller et à le faire se déplacer ensuite. L'autre il est éclaboussé par la neige. Du coup, tac, tempête de neige. Hop. Il y avait une mission qui parlait de neige et de frissonnier, mais là, une belle de neige ici, là. Oh,
Ouais, pas louper la deuxième sortie. Cours après le fouinard. Alors voilà. Réveille-toi. Avec la pomme pour la réveiller, je pense. Voilà, hop, avance. T'énerve pas, avance-toi, avance. 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 Marche pas. J'ai mis trop de temps ou l'autre c'est peut-être l'autre s'est éloigné je crois quand le quand j'ai bah non. Bon. Deg. Tiens, viens ici, toi. Je vais te taper aussi. Faut que tu rejoignes tes amis. Bah, je peux pas faire Saint-Ciel-Ciel sans drague. Aurore boréale. Il y avait une aurore boréale d'habitude. Peut-être faire scintiller Dragmara. Allez, viens ici. Mais je pense qu'il faut les deux Dragmara. Il y a un truc qui est passé derrière. Ah, puis là t'as l'Obali. C'est en journée, je crois, l'Obali. Ah alors là, j'ai pas compris. Alors là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. C'est le mystère. Alors, mais non, c'est le gamin qu'il fallait prendre. Ah. J'ai eu aucun moment 4. Dommage. Belle de neige. Ah, j'ai des magnifiques de belle de neige. J'adore belle de neige. Dimoré. Non, pas bon. À un moment, il se retournait d'ailleurs. C'est peut-être lui que j'ai vu courir comme un zinzin derrière. Ah, t'es un peu loin. Drake, elle est shootée. Alors, Jonah Brand qui dit le Lipoutou sur le Seracrawl a eu l'air de lancer une attaque quand tu lui as lancé un orbe, je crois. Une orbe. Je sais jamais. Une orbe lumineuse, ça doit être une. Alors, je vais retenter, mais je vais essayer de sauver le Dragmara quand même. Parce que ça, c'est sûr qu'il y a moyen. C'est suggéré par une des missions. Donc on va se le refaire. Super. Ah, très bien. Mon Lipoutou Stone. J'adore.
Mission accomplie. Et du coup, ça veut dire qu'on a tous les Pokémon. Eh ben, on va être prêt pour les DLC. Poc. Il y aura de la place pour... Ouais, il y aura de la place pour trois trucs, mais pas pour, pour d'autres après encore. Pas pour d'autres... d'autres autocollants. C'est dommage. Toutes mes félicitations. Avec ce cliché, ton photodex est désormais complet. N'hésite pas à continuer de prendre des photos pour le plaisir et créer un photodex qui te ressemble. Photographe de génie! On a un filtre lumière. Et on a obtenu les vignettes d'exploration de chaque île, bien évidemment. Alors, attends, parce qu'on a des choses à mettre en... Je suis fan de mes photos de Belle de Neige. J'adore ma photo de Liputou, qui est juste géniale. Je suis qu'une, trop beau. Alors, on va retenter. Et on va sauver ce Dragmara. Allez. Rick, Rick. Mais je sais qu'il y a un truc ici, regarde. Ah! Elle ne manque pas le... Ah! Vas-y, toi, va là-bas. Ça l'accélère. Et si je le refais... Attaque bizarre, blablabla. Le home arctique. Tiplouf ? Il y a un Tiplouf là-dedans ? Oui, alors attends. Oui. Comment ça, il y a un Tiplouf là-dedans? Bonjour, toi. Ah, peut-être réveiller celui-là. Le cri du Prismillon m'évoque beaucoup trop le Togepi. Alors, pomme pour la réveiller. Réveille-la tôt déjà. Amène-la là-bas. C'est magnifique. Ça me dit pas quoi faire avec la pomme gelée qu'on trouve la journée en ce lieu. Alors est-ce que ce serait le Liputou qui... Je sais pas si c'est lié, parce que là j'ai l'impression qu'elle était déjà là en fait là. Et du coup, mais du coup il y en a deux à la fin des... Ah, attends, parce qu'il était passé par ici. Il est passé par ici, il repassera par là. Peut-être après du coup activer les...
C'est vrai qu'il y a les deux fossiles de la 6ème génération, John Abraham, bien vu, puisqu'il y a Rexilius aussi. Là, il est passé, il est passé. J'ai vu un truc. Là, oui. Il va apparaître là-haut. Comment j'avais fait pour les Dragmara pour activer leur lumière J'avais réussi à activer sa lumière à un moment. Peut-être toucher le voile. Peut-être c'est le voile qu'il faut toucher. Alors, c'était le gamin. J'ai réussi à refaire du 4. Je sais pas si c'est mieux, mais bon. Alors, le type plouffe dans l'arbre. Par contre, là, j'ai pas pigé. Hein. Faudra m'expliquer. Martique. Non, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Alors, Lipoutou. J'ai le Lipoutou en transe là. J'ai le 4, c'est quand il. Voilà, quand il sort. Parfait. Et Suicune. J'ai le 3. C'est la 12, hein. Allez! Pas mieux, et le type louf. Pas mieux non plus. Ok. Pas mieux. Un peu trop zoomé. Là, il est plus grand. Le cadrage, bon. Mais quand même. Voilà. Magnifique, c'est les poutous. Super. Oh, Dragmara, qu'est-ce qu'il est beau. Voyez, on le voit avec son voile là qui bouge, qui s'illumine. En photo numéro 2. Et ben voilà. Et ben. Et ben ça promet du coup pour les nouveaux niveaux. Hop. 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 Ah ça c'est dommage, ils ont vu un Lipoutou dessus. C'est vraiment dommage. Voilà. Ça promet donc 3 nouvelles zones qui vont apparaître avec une mise à jour gratuite. C'est trop génial, 20 nouveaux Pokémon à découvrir. Une zone de falaise, des rapides, et on a aussi une zone où on sera tout minuscule et où les plus petits Pokémon auront une taille démesurée. J'ai hâte de voir ça, et ce sera du coup dans le prochain épisode de New Pokémon Snap. A très bientôt pour la suite de ces aventures qui n'en finissent pas. Ciao !